rouge, prêt. Ouais. Bleu, prêt. Ouais. Attention. En bleu, la Haute-Savoie, en rouge, la Savoie. Les deux départements étaient réunis le 2 mars dernier à Notre-Dame-de-Bellecombe pour la deuxième étape du Duel Tour Savoie-Mont-Blanc. Une course sur un slalom parallèle où s'affrontent les 16 meilleurs skieurs savoyards et hauts savoyards âgés de 13 à 14 ans. C'était une façon de faire se rencontrer les jeunes champions de demain du comité de Savoie et du comité du Mont-Blanc. Sur deux étapes, une en Savoie, une en Haute-Savoie, sans enjeu. Et également, l'autre aspect, c'était de pouvoir faire cet événement pendant les vacances scolaires et de créer une animation dans les stations. Pilotée par les équipes techniques des deux comités, de Savoie et de Haute-Savoie, des clubs et des stations organisatrices et portée par Savoie Mont-Blanc Tourisme, cette confrontation amicale était aussi l'occasion pour les jeunes Savoyards de prendre leur revanche. Normalement, c'est le premier Savoyard qui tombe contre le dernier Haute-Savoyard. Il y a une très très bonne ambiance, mais on est là aussi pour la gagne, donc on espère que nos jeunes Savoyards, cette fois-ci, vont remporter la manche, puisque la semaine dernière à Châtel, ce sont les jeunes Montblanais qui ont gagné. C'est une épreuve en devenir, c'est la deuxième édition. Mais je pense que l'année prochaine, on va monter en puissance. Surtout qu'on le voit ici, et c'est un beau succès populaire. Un bel accueil donc pour ce nouvel événement du Duel Tour Savoie-Mont-Blanc qui avait comme un avant-goût d'épreuve olympique puisque la discipline du slalom parallèle par équipe fera son entrée aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en février 2018.